Bonjour Louise. Bonjour Michel. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bah, comme un mois de décembre, quoi. Faut acheter les cadeaux, faut tout préparer, mais on n'oublie pas quand même de préparer plein de trucs pour la bibliothèque. Absolument. On vous prépare plein de surprises au mois de décembre. D'ailleurs, surveillez les réseaux sociaux avec le hashtag Tabib sous le sapin. Ouais. Ce sera une chouette surprise. Ouais, et on en aura d'autres sur le blog aussi. Il va se passer pas mal de choses ce mois-ci. On vous en dira un peu plus ou pas. On verra. Mmh. Bon, vous êtes prêts? On démarre. C'est parti. Bienvenue sur Télécanard. La seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Coin, coin. And the drunk tank. An old man said to me, I won't see another war. And then they sang a song. Raro Mountain Dew, I turned my face away and dreamed about you. Your lonely love, you came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. Alors, on va démarrer ce mois de décembre. Ce mois de décembre, on accueille l'illustratrice Charlotte Mollet à la bibliothèque. Alors, Charlotte Mollet, c'est une chouette illustratrice et puis c'est une voisine un peu. Ouais, elle est très chouette. Et donc, on l'accueille pour deux choses. Elle nous fait une expo de gravures qu'elle a fait. C'est des gravures de terrasses de café. Et de terrasses de café du quartier. Donc, si vous venez voir et que vous observiez bien, vous pourrez remarquer des petits détails et vous devriez savoir reconnaître certains lieux qui sont dans le quartier de la bibliothèque. Et puis le 9 décembre, elle nous fait un atelier autour du monotype. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et ben vous allez aller chercher sur internet, comme ça vous saurez. On vous mettra un lien quelque part. Ouais, on vous expliquera un petit peu dans la newsletter. En tout cas, ça va être un chouette atelier. C'est pour les adultes. Pour une fois, on fait un atelier d'illustration avec les adultes pour changer. C'est sur inscription, donc pensez à vous inscrire auprès des bibliothécaires parce qu'il y a un nombre de places limité. Et puis, on va aussi avoir cette année, en fin d'année, là, travailler autour d'une semaine complète autour de la migration et des migrants, avec deux grands événements. Le premier aura lieu le jeudi 14 décembre à 19h. C'est un jeudi de l'actualité qui va s'appeler « Mineurs isolés en exil » et qui va donc traiter de ce sujet-là et qui sera une rencontre avec deux auteurs, Olivier Favier, qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « Chroniques d'exil et d'hospitalité » aux éditions du Passager clandestin, et Rosane Lebert, qui est autrice d'un bouquin qui s'appelle « De rêves et de papier » aux éditions de La Découverte. Et on enchaînera samedi 16 décembre avec de 14 à 18h, donc une journée de solidarité avec les familles migrantes qu'on fait en partenariat avec l'association Ancrage, qui est une super chouette association qui rassemble notamment beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs et illustratrices jeunesse. Donc il y aura certains d'entre eux qui seront là à la bibliothèque, il y aura des ateliers, ce sera l'occasion aussi d'accueillir des familles migrantes qui seront là avec nous voilà, de faire une journée ensemble. Il y aura la possibilité aussi de soutenir un peu l'association ou d'autres associations en apportant par exemple des produits d'hygiène ou des tickets de métro qu'on récoltera pour le donner aux associations concernées. Voilà, donc ça va être chouette. Ce sera donc le 16 décembre de 14h à 18h. C'est voilà, un chouette programme extraordinaire au mois de décembre cette année. Et puis, voilà, ça s'accompagne du reste des animations classiques de la bibliothèque, les trucs que vous pouvez retrouver tous les mois, comme le café de Louise. Le ciné des habitants. Le brunch des hamsters grouillants. C'est le brunch des hamsters joufflus. Voilà. Et le goûter des pingouins grouillants. Et le goûter des ados. Le ciné des habitants en a déjà dit, ramène tes miches d'ailleurs, il y aura peut-être plein de choses proposées par les enfants aussi ce mois de décembre, donc ce sera à surveiller un petit peu, tout n'est pas organisé, mais les enfants ont envie d'organiser plein de choses, donc c'est via ramène tes miches. Absolument. Et puisqu'on parle de surprises, il y aura une bonne surprise sur le blog tout au long du mois de décembre, donc à partir du 1er décembre, c'est-à-dire aujourd'hui si vous voyez cette vidéo le 1er décembre, tous les jours jusqu'à la fin du mois, un petit calendrier de l'Avent pour préparer...
pourra patienter jusqu'à l'arrivée de la nouvelle année. Voilà, sous forme d'articles de blog, tous les jours, un petit article où on vous proposera des coups de cœur, des choses qui nous ont plu, des choses qui nous ont fait réfléchir et qu'on a envie de partager. Voilà, ce sera nos mini cadeaux pour patienter jusqu'à la fin de l'année. Absolument. Bon, ben voilà. On s'arrête là. Ouais, une super année qui s'est finie. Ouais, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On vous dit à 2018 et entre-temps, ici à la bibliothèque, à bientôt. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas que... Oh,